Mais ne baisse pas ta garde. Oh, tu m'étonnes, ouais. Vas-y, t'es trop chiante, mamie. Moi, je la veux, ta boule. Je perds la boule. J'ai oublié de mettre le tableau, petit. Oui. Na, na, na. Allez. Un petit passage à Akasha. On a envoyé le piaf là-bas. Donc normalement, on a quasiment tout le monde. Ça manque peut-être un peu d'Ilien, mais... Mais bon, il y a notre pote Sachièche. Sachièche. Ah, Lucard qui est sur le live alors qu'il est en train de stream, ce con. Ah bah alors celui-là... Quel trou de cul. Du coup les amis, je vous préviens avant parce que je suis comme ça, le live est bientôt fini. Ah oui, je sais, bientôt avec moi c'est toujours très très relatif. Ah, il manque au moins quelqu'un je pense. Hein. Vous voyez la grosse pierre en général. Donc, il y a des autres. Ah, il a fait des bouffes. Ouais. Encore le château du Rulo. Ouais, on ira demain. On ira demain. Les DLC. On ira demain aussi. On peut pas tout faire, les enfants. Demain, on fait l'épée, je pense. Thank you.
Mais avant, on va aller chez les Aura pour aller chercher un prêtre. Et moi, je veux voir un mariage. Et oui, on va faire les DLC. Demain, on fera l'épreuve de l'épée. Là, j'ai eu le discours, donc on peut aussi faire l'épreuve des héros. Donc ouais, on est bien, on a bien avancé. Hein. Mine de rien, on a battu du taf. Hein. Il faut que tu trouves Benitiette. J'arrive pas à savoir si c'est une blague ou il va vraiment s'appeler comme ça, quoi. Ah, franchement, s'il s'appelle comme ça, quelle horreur, quoi. Je l'embauche, hein, mais... Ouh. Le pauvre, il a dû souffrir dans sa vie. C'est une vraie grenouille de bénitier. Pas faux. Tu veux me faire un résumé de ce qu'on a fait, mais on le sait, hein. Du coup, tu veux pas me trouver un Zora avec un nom qui finit en Yesh? Wesh. Pourquoi t'as jamais fait sa quête? Elle est bien, cette quête. C'est quoi, là? Il s'appelle Klaviyesh.
Je comprendrais pas cette petite musique nostalgique en fait là. Ça devrait être plus gai en fait. J'ai vraiment l'impression que tu les envoies au massacre. Du coup, si je les envoie vraiment au massacre, j'aimerais être prévenu quoi. C'est le thème du village. Ouais, mais ça fait triste, je trouve. Ça fait pas. T'as pas l'impression d'avoir fait quelque chose de bien en fait. Enfin, moi, j'ai pas l'impression en tout cas. Je sais pas l'expliquer, c'est un ressenti, hein. Mais ah, parfait, le temps parfait pour un mariage. Joli par contre, j'aime beaucoup. Tu peux être fier de toi, gros. On veut voir le mariage avant la fin du stream. Arrêtez de nous faire tourner en rond. J'en reviens pas de devoir rentrer à la maison pour aller chercher les deux autres. Je crois que j'ai laissé le chauffage de ma salle de bain allumé. C'est pas grave. Ça réchauffe l'appart. C'est devenir des vrais arbres au bout d'un moment.
Hi. Oh. Ils vont tous mourir, c'est pas possible, c'est quoi cette musique? Je me rappelle plus comment elle finit cette quête. On va avoir un mariage. Sinon, je vous prie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Grosaille et de Cornueil, ici présent. Grosaille, au nom de la déesse Ilia, dans la santé comme dans la maladie, jurez-vous de soutenir et d'aimer votre épouse à Cornueil. Oh. Je le jure, sur le pouvoir des tétons. Très bien. Cornueil, au nom de la déesse Ilia, dans la santé, comme dans la maladie, j'aurais voulu de soutenir votre époux, Grosaille, mais aussi de combattre loyalement dans un esprit sportif. Mmh. Dis donc, il est un peu bizarre ce prêtre, non? Mmh. Tu trouves? Si tu veux pas, moi je vais le jurer. Vous êtes sérieux? Nous combattrons loyalement dans un esprit sportif. Nous le jurons. Je le jure. Très bien. C'est donc ainsi qu'ici et maintenant je vous déclare mari et femme. À ce couple qui vient de prendre un nouveau départ dans la vie, nous présentons tous nos voeux de bonheur. Thank you.
Hi. Oh. Et ils moururent d'un accident de cheval sur le retour. Est-ce que la cérémonie vous a plu, ma déesse? Pas de réponse. Merci, mon pote. C'était des canards! Espèce des canards! Bon, du coup, les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce live. On se retrouve demain pour l'épreuve de l'épée. Et certainement un peu de balade dans la nature. Peut-être un petit passage au château d'Hyrule, en façon. Ça, il faudra qu'on y passe à un moment ou à l'autre. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. C'est pas beau de dire ça! On pouvait même pas lui tirer dessus! C'est un tricheur ce chien! Ah, je peux pas prendre le casque! Hein. Ça va contre toute idée du bon goût! Bon, j'ai pas assez de rage! J'ai pas assez d'armes! Yeah.
Enfin, si ça te met en game over, du coup, tu pouvais pas. Surtout pas sur une version arcade où, vu combien ça coûtait de jouer à une version arcade. Fallait surtout pas s'amuser à ce genre de bricoles. Ouais, mais t'avais une cinématique à la con avec ça. Ouais, enfin tu le fais une fois parce que bon, quand t'as niqué ta partie d'arcade, ça fait chier quand même quoi. Moi j'étais pauvre. On faisait tout pour que la partie dure le plus longtemps possible. Pas pour qu'elle se finisse rapidement. Café. Merci pour le café. Non mais ça peut se faire parce que t'as des machines à café qui sont liées à une appli téléphonique. Si t'as une appli téléphonique, t'as une appli pour ordinateur. Du coup tu dois pouvoir lier ta commande à une commande qui envoie directement sur ton PC une commande. Techniquement ça doit être faisable. Enfin toujours est-il que ça finirait par coûter cher en café. Hein. Et puis surtout là j'ai pas envie d'en boire. Hein. Ah non, parce que j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. On va se faire défoncer la nuit. Mais on aime bien ça. Parce qu'on est sadomaso. Et que après tout, c'est drôle. J'adore parce que le truc anti-chaud, il est aussi fort que le truc de soldat. Ouh. Fatigue, Bacal. Un café deck. Donne-leur pas des idées comme ça, ils sont capables de le faire sec. Non, attendez, pas ce bouclier là. Quoi qu'il arrive, pas ce bouclier là. Je sais pas si c'est des connards, mais le fond vert et le gâteau par exemple est d'une super bonne qualité. Hein.
Moi je j'en baverais hein. Après il coûte une fortune mais. Mais moi je le prendrais direct hein, si j'avais les sous. Ah mais pourquoi tu dis ça? Tu les connais? Je veux dire, si c'est parce qu'il y a un streamer, il a pas réussi à avoir son truc. Enfin voilà quoi. Quoi, ils ont totalement répondu non. C'était couru d'avance en même temps. Hein. Quelle bande de trucs tu... Ils doivent pas avoir beaucoup d'handicapés dans leur personnel. J'aime pas, c'est que je vais me prendre la foudre alors que lui non quoi. Ça c'est les nerfs quoi. C'est les nerfs. Putain, en plus j'ai rien qui prendra pas la foudre. Ah si, je sais. Bah en fait les quotas légaux c'est pas les mêmes selon la taille de l'entreprise. Du coup s'ils ont pas un minimum de salariés, ça, c'est un peu compliqué la loi française, c'est un peu comme ça arrange les gens. Je pense qu'elle est pute pour tout le monde hein, au final.
Je préfère me dire que quelqu'un a été embauché parce qu'il est compétent plutôt que de me dire qu'ils l'ont pris parce qu'il était handicapé et qu'il fallait faire un quota, quoi. Je me rends bien compte hein, qu'il faut aussi favoriser le travail des handicapés, mais... À un moment, avant d'être handicapé, c'est aussi des humains, quoi. Bien avant d'être handicapé, donc. Oui, je suis d'accord. Hein. Bah, en fait, il y a un moment où en fait, ça te coûte plus cher de prendre quelqu'un d'handicapé et de refaire tes locaux que... Après, je peux pas cautionner le fait que les gens prêtent pas des personnes handicapées juste parce qu'elles sont handicapées. Alors qu'il y a des travaux de bureau qui peuvent être faits pour n'importe quoi. Mon travail à moi par exemple ne me demande pas de me déplacer plus que ça, je suis au rez-de-chaussée. Non, mais quand je parle d'investissement, tu vois. Je veux dire, les entreprises qui disent qu'il faut des investissements spéciaux ou quoi, c'est bon, il ne faut pas tant que ça pour arrêter. Tu me parles chinois. Oui, en plus. Oui. Enfin bon. Malheureusement, ni toi ni moi n'avons grand pouvoir là-dessus. Bien malheureusement. Et le live est fini. Du coup, je te remercie d'avoir suivi ce live et Shine. On se retrouve très bientôt, dès demain normalement. On fera la quête de l'épée hein, demain. Bah écoute, que t'aies prévu quelque chose ou pas, moi ça sera avec plaisir que je t'accueillerai si t'es libre.
Et en attendant, passez une bonne nuit. Bisous. Bisous tudou 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 tudou. Bisous tudou. Oh oh. Le seul baisse, ça doit faire mal.